La relocalisation de ces stocks hôteliers et pharmaceutiques sur la plateforme de Grand-Quevilly a nécessité de revoir complètement nos plans de transport, aussi bien pour le site de Charnicol que pour les sites extérieurs. Ces plans de transport, il faut les distinguer. On a d'un côté les produits hôteliers et les dispositifs médicaux pour lesquels nous assurons 6 à 7 tournées quotidiennes avec nos poids lourds, et d'un autre côté les produits pharmaceutiques, les médicaments. Donc on parle des commandes aussi bien programmées que non programmées, pour lesquelles nous assurons 4 à 7 tournées par jour et pour lesquelles nous devons avoir une ponctualité beaucoup plus importante.